Aujourd'hui, ton ange aimerait te dire, tu te souviens quand tu étais petit, quand tu n'avais aucune responsabilité, que tu pouvais faire ce que tu voulais? Que choisissais-tu de faire? Eh bien, prends un moment pour te rappeler. Tu étais libre. Libre de prendre le jouet ou le jeu que tu désirais. Le temps était quelque chose que tu ne comprenais pas. Tu pensais que l'éternité existait. C'est ta maman qui te rappelait à l'ordre, avec l'heure du dîner ou l'heure du souper. Eh bien, je te propose aujourd'hui de te choisir. De choisir de faire ce qui te plaît réellement. Fais-toi plaisir à toi-même. Aujourd'hui, l'espace de quelques heures, les responsabilités n'existent pas. Prends un jeu, un jouet, peu importe, et oublie tout. Amuse-toi. Réalise, pendant que tu t'amuses, que pour une fois, tu fais exactement ce que tu veux et non ce que tu es obligé de faire. Accorde-toi des pauses comme celle-là plus souvent. Cela va t'aider à passer à travers, eh bien, tes obligations. Jusqu'à ce que tu puisses faire presque toujours ce que tu as le goût de faire. C'est possible, tu sais, de faire ce que l'on aime dans la vie. Oui, oui. Tranquillement. Ta vie évolue et tu évolues avec elle. Alors, sois conscient des changements qu'elle amène. Fais des choix conscients. C'est comme ça que l'on parvient à faire ce que l'on aime dans la vie. C'est une question d'attitude. Qui aime faire la vaisselle? Peux-tu me le dire? Mais quand tu t'arrêtes à réaliser que cette vaisselle t'a permis de manger un bon repas en bonne compagnie et qu'elle te permettra de recommencer demain, eh bien, cela devient beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de le faire. Ne crois-tu pas? Alors, apprends à aimer ce que tu fais ou fais ce que tu aimes dans l'ordre que tu souhaites. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Douce pensée angélique.